Pluriel a chaussé ses baskets pour lutter contre le cancer du sein. Une marche rose de 6 km organisée à Aubergenville samedi 10 octobre. Objectif, sensibiliser et créer un mouvement solidaire face à la maladie. Un sujet qui tient à cœur. Il s'avère qu'il y a 2 ans, j'ai été moi-même touchée par cette maladie personnellement et beaucoup de personnes dans mon entourage familial et amical. Et donc c'était vraiment l'occasion cette année de la mettre en place. Avant le départ de la marche, un ruban rose géant a été réalisé avec les participants, une action symbolique. On a mis en place ce ruban géant humain, ruban rose, qui a été pris en photo pour la symbolique. C'était une petite feuille rose qu'on devait mettre au-dessus de sa tête parce que la photo a été prise en hauteur, donc par un drone. 160 marcheuses et marcheurs étaient au rendez-vous pour cet événement solidaire. Ils étaient présents pour sensibiliser et soutenir les personnes atteintes du cancer. Je l'ai par expérience dans mon entourage, donc je pense que c'est important de, faire connaître cette maladie un peu plus et d'en parler surtout. Également, se faire dépister. Moi, j'ai eu le cas aussi avec ma maman, donc d'autres personnes que je connais. Donc aller vous faire dépister, c'est le principal déjà. Par solidarité, puis parce que le cancer touche toutes les familles, dont la mienne. Nous, on va bien, on a cette chance. Mais d'autres n'en l'ont pas, donc on est là pour ça. Au total, 1 100 € ont pu être récoltés en faveur de la Ligue contre le cancer.